Pour Francis Kalombo, le combat de vérité des urnes mené par Martin Fayulu appartient au passé. À l'en croire, l'opposant Fayulu a tué la vérité des urnes en allant à la Cour constitutionnelle. Martin Fayulu a tué lui-même la vérité des urnes le jour où il est allé à la Cour constitutionnelle. Comment peut-on exiger la vérité des urnes, et en même faire une proposition de sortie de crise où on réclame la gestion d'une institution? Il parle vérité des urnes la journée et la nuit, il cherche ses intérêts, a déclaré le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Selon Francis Kalombo, Martin Fayulu a reconnu la victoire de Félix Tshisekedi en faisant sa proposition où il demande un poste. Martin Fayulu a reconnu la victoire de F. Tshisekedi à travers sa proposition dans laquelle il demande un poste à la fin, a-t-il ajouté. Nous faisons une opposition 4 étoiles, c'est-à-dire sans gaz lacrymogène. Si je suis libre aujourd'hui, c'est grâce à F. Tshisekedi. Porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, Francis Kalombo s'est exprimé vendredi 31 janvier 2020 devant la presse à Kinshasa. À cette occasion, il a salué certaines réalisations de Félix Tshisekedi depuis son arrivée au pouvoir. Pour Francis Kalombo, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, les opposants ont la liberté de s'exprimer et tenir leurs activités politiques sans être inquiétés. Aujourd'hui nous faisons une opposition 4 étoiles, c'est-à-dire sans gaz lacrymogène. Si je suis libre aujourd'hui c'est grâce à Félix Tshisekedi. Hier, le régime de Joseph Kabila nous avait empêchés même de rentrer dans notre propre pays. Même vous journalistes, aujourd'hui vous êtes à l'aise, parce que si c'était à l'époque de Kabila, les gens de renseignement auraient déjà débarqué ici pour nous arrêter tout, et ce point de presse n'aurait même pas eu lieu, a-t-il expliqué. Par ailleurs, Francis Kalombo appelle tous les Congolais à la vigilance pour barrer la route au mauvais projet du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Kalev doit remercier Félix Tshisekedi, c'est grâce à lui qu'il peut aujourd'hui parler. Il a raté l'occasion de se taire, Francis Kalombo. Devant la presse vendredi 31 janvier 2020, Francis Kalombo, porte-parole adjoint de l'opposant Moïse Katumbi, a sévèrement critiqué les décorations de Kalev Mutondo, ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, ANR. Pour lui, Kalev a raté l'occasion de se taire, car dit-il il est à la base des malheurs de beaucoup de Congolais durant le règne de Joseph Kabila. Kalev doit vraiment remercier Félix Tshisekedi, c'est grâce à lui qu'il peut aujourd'hui parler. Kalev c'est quelqu'un qui doit être arrêté et jugé pour tous les crimes commis. Beaucoup de gens ont souffert, beaucoup sont morts à cause de Kalev. Il a raté l'occasion de se taire, a déclaré Francis Kalombo. D'après cet ancien député national, Kalev Mutondo n'a pas le droit de continuer à détenir le passeport diplomatique. Il n'a pas le droit de garder un passeport diplomatique. Un agent de renseignement est contraint au silence pendant et après l'exercice de ses fonctions. Je crois que le procureur doit se saisir de son cas parce qu'il a déclaré qu'il donnait aux gens les passeports de service aux gens de l'UDPS, a-t-il indiqué. Pour Francis Kalombo, c'est à cause de Kalev Mutondo que beaucoup de Congolais ont haï Joseph Kabila. L'UDPS annonce la mise en place d'une commission permanente de suivi et d'accompagnement des actions du chef de l'État. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a clôturé jeudi 30 janvier 2020 sa retraite axée sur le bilan et l'évaluation de l'an 1 de la gestion du pays par le président de la République Félix Tshisekedi. Parmi les résolutions prises à l'issue de ces assises, le parti présidentiel annonce la création d'une commission qui aura pour mission notamment de faire le suivi des actions du président de la République. Plusieurs résolutions importantes ont été prises dont celle consistant à la mise en place d'une commission permanente de suivi et d'accompagnement des actions du chef de l'État, a dit Jean-Marc Cabanne dans son discours de clôture de ces assises de 3 jours. S'agissant de la gestion du pays une année après l'alternance, le parti présidentiel constate que le chef de l'État a réalisé beaucoup de promesses contenues dans son programme d'action.
Le constat qui s'en dégage des travaux de la retraite note de la rédaction ce qu'en une année d'exercice du pouvoir, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réalisé beaucoup de promesses contenues dans son programme de campagne électorale, lequel s'inscrit à son tour dans le projet de société du parti, a indiqué Jean-Marc Cabinde. Le président à point I de l'UDPS, Jean-Marc Cabinde, a promis de s'impliquer personnellement pour un suivi minutieux de la mise en application de toutes les résolutions prises au cours de cette retraite qui s'est tenue au centre Ganda à Kinshasa. Toujours inachevé, le saut de mouton de Kinsuka n'a pas été inauguré ce jeudi. L'inauguration du saut de mouton de Kinsuka pompage par le président de la République ce jeudi 30 janvier 2020 n'a pas été possible, contrairement à l'annonce faite par Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Selon une certaine source, ce saut de mouton de Kinsuka pompage n'est pas encore inachevé. C'est depuis le mois de mars 2019 que les travaux ont été lancés dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du président de la République Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, bientôt une année, l'incertitude plane quant à l'inauguration de cette œuvre, qui selon Vital Kamerhe va résoudre les embouteillages persistants dans la capitale congolaise, afin de faciliter les trafics routiers. Troisième anniversaire de la mort de Tshisekedi, B. Tshibala convie les siens à une messe d'action de grâce commémorative ce samedi à Fatima. À travers un communiqué dont une copie a été transmise à 7sur7.cd jeudi 30 janvier 2020 dans la soirée, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Bruno Tshibala, invite tous les membres du parti, les partis alliés membres de l'APECO et les sympathisants, à participer à la messe d'action de grâce commémorative du 3e anniversaire de la disparition du héros du peuple, Étienne Tshisekedi, prévu le samedi 1er février 2020 à 15h00. Cette messe se déroulera à la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de La Gombe, précise Théophelé, secrétaire général de l'UDPS/Tshibala qui signe le communiqué. Pour rappel, Étienne Tshisekedi, l'un des pères fondateurs de l'UDPS, était décédé le 1er février 2017 à Bruxelles en Belgique suite à une embolie pulmonaire. La CAJI exige la dissolution de l'Assemblée nationale et la fin de la coalition FCC-CAC. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJI, exige la fin de la coalition Front commun pour le FCC et le CAP pour le changement, CAC, et la dissolution rapide de l'Assemblée nationale. Ces deux recommandations sont contenues dans son rapport publié mercredi 29 janvier à Kinshasa sur la gouvernance de la coalition FCC-CAC de janvier 2019 à janvier 2020, intitulé « Alternance politique en RDC, de la lueur ou l'heure d'une coalition FCC-CAC contre nature », le rapport de l'ACAJI dresse un tableau sombre sur « une gouvernance chaotique ». Selon la CAJI, la coalition FCC-CAC s'était fixé quatre objectifs essentiels à savoir la restauration de l'état de droit, la transparence dans la gestion des ressources nationales, la lutte contre la corruption et la concussion, l'instauration d'une justice distributive dans l'affectation des ressources publiques. Aucun de ces quatre objectifs n'a été réalisé, étant donné que les membres de cette coalition passent tout leur temps à se chamailler autour principalement de partage des responsabilités, à la poursuite des intérêts personnels, a déclaré le président de l'ACAJI, Georges Kapiamba. La vie est devenue très chère, la circulation des populations compliquée, la situation du pays en général est dramatique. La coalition a échoué, a décrit le président de l'ACAJI. Cette association a aussi invité le président de la République à consulter toutes les forces vives de la nation et à dissoudre l'Assemblée nationale. Nous avons constaté une violation systématique de la Constitution et des lois de la République. L'exemple de la mise en place illégale dans la transition qui a débouché sur la nomination des bourgmestres et maires, des bourgmestres adjoints et maires adjoints. Un antagonisme permanent au sein du gouvernement, a déploré Georges Kapiamba. Lire aussi sur radiookapi.net. Le FCC et le CAC, condamnés à travailler ensemble pour le bien de la population, Néhémy Mouilania. Les jeunes de CAC dénoncent l'instrumentalisation de certaines personnalités FCC.
RDC, le député Nzoku y appelle le FCC et le CAC à privilégier l'intérêt du peuple. La leçon tirée par l'UDPS, aucun engagement politique ne peut remplacer le bonheur du peuple et les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. L'UDPS a clôturé les trois jours de sa retraite politique ce jeudi au centre Ganda à Kinshasa. Le parti de Félix Tshisekedi Notchou, aucune alliance, aucun engagement politique ne peut remplacer le bonheur du peuple congolais et les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Il ajoute que telles sont les leçons tirées de la première année au pouvoir. Ces assises ont permis à l'UDPS de dresser le bilan de l'an 1 de l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Contenu sponsorisé Accent Grave découvrir aussi. Île-de-France, le gouvernement lance des subventions colossales pour vous équiper en panneaux solaires. Gratuité sans engagement. Par Tabola. Le parti a dressé un tableau sombre de la situation laissée par Joseph Kabila. Il a mis en garde ses partenaires qui attisent et créent des crises et tentent d'énerver le peuple. L'UDPS a dressé également une liste des défis à relever par l'actuel pouvoir en insistant sur la gestion des partenariats politiques au sein des institutions. Les recommandations de ces travaux seront transmises à Félix Tshisekedi avant d'être vulgarisées dans le pays. Le parti prévoit à cet effet de renforcer les capacités de ses communicateurs pour réagir également aux crises nées de ce mariage difficile entre FCC et CAC. Ces assises se sont tenues dans un contexte tendu. À l'évocation d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale par Félix Tshisekedi, le FCC par le biais de Jeanine Mabinda, présidente de l'Assemblée nationale, avait répondu par une possible mise en accusation du chef de l'État pour haute trahison.